Bonjour, je suis Eric Desloges, directeur général de Cocolabs, entreprise que j'ai rejoint en 2018 et que je dirige depuis 2021. Cocolabs est un cabinet de conseil et réalisation IT spécialisé dans la création de marketplaces, de plateformes et de leurs écosystèmes associés. Aujourd'hui, nous sommes une trentaine de collaborateurs et nous accompagnons nos clients, basés en France, aux États-Unis, globalement partout en Europe, dans la conception, le développement et l'opération de leurs plateformes. Notre principal objectif pour l'année 2023, ça va être de réussir la diversification de notre portefeuille de solutions techniques partenaires afin de répondre aux problématiques toujours plus nombreuses de nos clients. Pour atteindre cet objectif, on va devoir relever trois défis. Le premier, c'est l'identification des besoins existants et à venir de nos clients et donc des technologies qui vont nous permettre d'y répondre. C'est une mission en particulier pour notre équipe conseil et notre équipe partenariat. Le deuxième, ça va être la formation de nos collaborateurs à ces nouvelles technologies, aux opportunités qu'elles apportent et aux enjeux auxquels elles permettent de répondre. C'est une mission qui va concerner donc en particulier nos équipes de développement, nos équipes de gestion de projet et notre équipe conseil. Et enfin, le troisième défi, qui est peut-être le plus grand, c'est la réalisation de projets pour nos clients avec ces nouvelles technologies. C'est ça qui va nous permettre de nous réaffirmer encore un petit peu plus comme un véritable expert dans notre domaine. Alors aujourd'hui, on recherche des candidats qui croient et qui adhèrent à notre vision d'entreprise, mais également qui se reconnaissent dans un certain nombre de valeurs qui font partie de l'ADN de Cocolabs. Parmi ces valeurs, la principale est sans doute la collaboration. On porte des projets pour nos clients qui vont durer de quelques semaines à plusieurs mois. Il est indispensable d'avoir une véritable appétence pour la collaboration et le travail en équipe, que ce soit avec ses collègues, ses clients ou ses partenaires. La deuxième, c'est l'engagement. Nos clients nous confient des projets avec de gros enjeux pour leur entreprise ou pour eux-mêmes. Il est indispensable qu'on se montre digne de cette confiance et qu'on soit engagé à fond à leur côté. La troisième, c'est la pertinence. Nous sommes sur un marché d'innovation et nous ne pouvons pas apporter des solutions génériques aux problématiques que rencontrent nos clients. C'est pourquoi nous cherchons toujours à avoir des approches plus pertinentes.